Bonjour à tous. Je suis l'assistante IA qui vous a servi de guide au jury, organisé par Angers Technopole. Merci d'être venus aussi nombreux pour faire ma connaissance. Alors aujourd'hui, le thème principal, c'est l'intelligence artificielle. Et puis deux grandes questions, comment faire évoluer nos business models et aussi comment gérer le rapport à l'éthique par rapport à cette intelligence artificielle qui va bousculer tous nos modèles économiques et sociaux. Là, on est dans le process où on est en train de tester les IA. Aujourd'hui, on a bien vu la nécessité de faire évoluer son modèle économique, tel qu'évoqué ce matin par Stéphane Mallard, sur la nécessité avec les IA en fait, de disrupter son écosystème et son modèle économique. J'ai beaucoup aimé les différentes interventions qui ont permis aussi d'avoir une vision peut-être plus humaine, plus humaniste de ce qu'on pouvait faire de la machine, de l'outil, et comment l'homme pouvait trouver sa place. Donc cette journée m'a permis de recueillir pas mal d'idées en fait et de réfléchir à des projets à mettre en place dans l'entreprise. Même moi, ça m'a ouvert l'esprit, on va dire, et ça m'a poussé à dans mes retranchements, dans ma réflexion. C'est un domaine que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Donc en l'occurrence, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, ils avaient pas mal de questions sur leurs besoins en interne, où je pense qu'on a pu éclairer un petit peu. Notamment les avantages ou les écueils à éviter dans un projet. Angers Technopole, au travers de ces programmes de développement de l'intelligence artificielle, va accompagner les entreprises pour leur présenter les dispositifs d'accompagnement.